Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous la capacité, le don venant de Dieu, de pouvoir recevoir sa parole et de pouvoir la méditer et de pouvoir vivre selon elle, selon qu'il est écrit que mon juste vivra par la foi. C'est la foi dans le véritable Dieu. C'est la foi dans la véritable parole. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quel que soit votre pays, quelle que soit votre coloration de peau, quelle que soit votre église, quelle que soit votre orientation spirituelle, je vous dis simplement que le Seigneur vous aime. Et s'il a permis que vous soyez connecté devant votre petit écran pour pouvoir suivre cette émission, je peux dire que ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu appelle tantôt d'une main et tantôt d'une autre. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Dieu peut te parler parfois dans la bouche de quelqu'un que tu ne connais pas. Je te demande simplement d'examiner tout ce qu'il dit dans ses émissions et de le confronter aux Saintes Écritures. Si cela est conforme aux Saintes Écritures, je te dis simplement que c'est aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais attachez-vous fortement à la parole de Dieu. Ainsi, merci d'abord à chacun de vous pour vos prières, pour vos soutiens matériels, financiers, qui nous aident à continuer à faire ces émissions. Merci pour toutes les prières que vous faites à notre endroit. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que c'est cela qui nous soutient. Ainsi, quelle que soit votre communauté, ne regardez pas la communauté, aucune communauté ne sauve. Ne regardez pas à vos grands pasteurs. Je vous dirais simplement qu'aucun pasteur n'a la capacité de sauver. Mais il n'y a qu'un seul sauveur, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vers lui que nous tous nous tournons le regard afin d'être secourus dans tous nos besoins. Ainsi, je vous dis merci, je vous demande simplement d'être attentif à ce que vous l'entendez et de prendre note. Et soyez comme disciples de Béret et prenez chaque fois des notes pour pouvoir confronter ce que nous disons au sein de Dieu. Nous n'avons pas besoin du contrôle, plutôt nous n'avons pas peur du contrôle. Vous savez, celui qui est un faussaire a peur d'être contrôlé. Mais nous n'avons pas peur du contrôle, nous vous disons simplement... Prenez ce que nous prêchons et contrôlez-le avec les Saintes Écritures, pas avec autre chose, avec la parole de Dieu. Et voyez ce que nous vous disons n'est pas la vérité. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de sa grâce, qu'il vous donne la capacité de pouvoir entendre et reconnaître, identifier ce que j'écoute la parole de Dieu. Parce que dans ces émissions, notre devoir est de vous dire rien que la vérité. Et vous savez, dans le domaine spirituel, Satan est très rusé, mais vous disons dans ces émissions, c'est l'heure de vérité, c'est l'heure où, au milieu de beaucoup de temps de mensonges, c'est l'heure où la vérité vous est proclamée, la vérité pure, selon l'Écriture et selon le message que nous avons reçu en ces temps de la fin. Ainsi, soyez prêts à prendre note de tout ce que vous voulez, enregistrer même. Diffusez même, nous vous autorisons à diffuser à grande échelle et c'est pour la gloire du Seigneur parce que nous savons ce que nous vous disons n'est pas faux, mais que cela est la vérité. Est-ce que nous bénisse, pendant que nous allons lui demander à lui seul, l'auteur de la parole, de pouvoir avoir pitié de nous et de nous parler au travers de sa parole, au travers d'un simple homme que vous voyez, mais la parole qui sort n'est pas ma parole, mais c'est sa propre parole. Que nous bénisse, pendant que nous disons Seigneur, parle-nous pendant que nous tes enfants. Nous sommes prêts à t'écouter. Nous sommes en train de nous entretenir d'un sujet très important. Et comme je le répète tout le temps au début de chaque émission, dans ces émissions, nous vous parlons du message biblique. C'est du bien biblique, c'est ce qui est conforme à la Bible pour ce temps de la fin. Et nous voyons que beaucoup de choses sont présentées comme étant le message, mais qui ne reflètent en rien la vérité qui est dans ce livre qui est là. La Bible, c'est l'homme de la vérité, et qui est dans ce livre. Et nous voyons que beaucoup, la multitude est égarée. La multitude croit que nous sommes dans la bonne voie, alors qu'ils ont été totalement séduits, et ils sont sur le chemin de la perdition, et ils ne le savent pas. Tout ce qui est biblique est conforme à la Bible. Tout ce qui est apostolique, néo-apostolique, est conforme à ce que la Bible dit. Plutôt ce que les prophètes ont enseigné. Alors nous voyons que beaucoup de gens sont amenés captifs par Satan dans des choses de néant, des choses qui n'ont aucun fondement dans les Saintes Écritures.
Mais le Seigneur a dit, mon juste à moi vivra par la foi. Et nous voyons que nous devons chaque fois contrôler ce que nous écoutons. Quand nous allons à l'église, ne donnez pas une confiance aveugle à votre pasteur. Ne donnez pas une confiance aveugle à votre soi-disant apôtre ou votre évangéliste. Mais tout ce que nous disons en tant qu'homme, prenez cela et ramenez-le dans les Écritures et acceptez seulement ce qui est conforme aux Écritures. Sinon, vous allez simplement vous égarer. Et cette Bible, c'est une grande forêt. Et dans cette forêt, il faut quelqu'un qui puisse vous conduire. Et le Seigneur avait promis un guide. Il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas aux orphelins. Je vous enverrai un guide, le Consolateur, l'Esprit de vérité qui viendra et qui vous conduira dans toute la vérité. Et nous voyons que le Saint-Esprit, depuis qu'il est descendu le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est jamais remonté. Alors nous parlons dans notre sujet. En parlant du message du temps de la fin, notre sujet sur lequel nous tenons depuis un certain temps, c'est Abraham et sa postérité après lui. Bon, bien sûr, quand on parle d'Abraham, on voit souvent Israël, oui, sa postérité charnelle. Les musulmans se voient aussi là-dedans, parce qu'ils sont fils d'Ismaël. Mais nous voyons que Abraham a des enfants dans le monde entier. Il a des postérités dans le monde entier. Le Seigneur avait dit que regarde le ciel, regarde, vois les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Il l'amène au bord de la mer. Il lui dit, regarde le sable qui est au bord de la mer. Si tu sais compter chagrin qui se trouve dans ce sable, telle sera ta postérité. Et nous voyons que ce sont des enfants qui ont l'ADN foi d'Abraham et non pas l'ADN de son sang physique. Là, nous ne sommes pas comptés, mais il est question de l'ADN foi. À tel point que le Seigneur pouvait dire aux Juifs, comment vous pouvez prétendre que vous êtes enfant d'Abraham? Il leur a même dit, c'est vrai que physiquement parlant, vous êtes enfant d'Abraham, mais pourtant vous n'êtes pas ses enfants, parce que Abraham, votre père, a vu mon jour, et il se réjouit. Mais vous, quand vous m'écoutez prêcher, vous prenez des pierres pour me lapider. Et ce qui montre que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, vous êtes totalement dans le camp de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Plusieurs prétendent qu'ils sont la semence royale d'Abraham, mais quand nous regardons de plus près avec une loupe, nous voyons que parfois nous avons affaire à des enfants de l'ennemi. Alors c'est pourquoi faites attention. En écoutant ces choses, chacun va s'identifier. Vous allez savoir qui vous êtes, qui est réellement... Parce qu'un enfant d'Abraham, il a l'ADN foi d'Abraham. Il croit comme Abraham a cru et il est dans la ligne de la parole véritable. Il est parmi ceux pour lesquels Jude a dit que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une seule fois pour les saints. Et si vous êtes un fils d'Abraham, vous devez avoir la même foi qu'Abraham avait. Parce que la Bible dit qu'espérant contre toute espérance, il crut à Dieu et devint ainsi le père d'une multitude de nations. Alors, nous allons reprendre encore notre passage de base qui nous parle d'Abraham et de sa postérité après lui. Et allons ensemble dans Genèse chapitre 22. Et nous allons lire, comme de coutume, pour que vous puissiez bien comprendre ce que nous disons, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 18. Il est écrit, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Il lui dit, « Abraham, il répondit, mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, et sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Vous voyez, il avait non seulement la foi, il avait l'obéissance. Bien que ce qu'on lui demandait était très dur, d'aller égorger son propre fils, mais Abraham a obéi. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Voyez la foi qu'il avait. Abraham prit le bois avec l'holocauste, le chargea
le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble dans le silence, bien sûr. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: Mon père, il répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même, pas quelqu'un d'autre, de l'agneau pour l'holocauste. C'est merveilleux. Dieu se pourvoira lui-même. Et quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, voici l'agneau contre le péché du monde, c'était l'agneau qui venait de Dieu. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici, avec le couteau en main. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce nom, le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Vous voyez, la foi s'accompagne de l'obéissance. La foi s'accompagne, vous savez, l'obéissance, mais la foi s'accompagne aussi de la persévérance, de la patience, et la foi véritable, elle est patiente envers Dieu. Alors nous voyons que Dieu parle ici à Abraham d'une postérité qui sera comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, alors qu'Abraham n'avait, je peux dire, que deux fils, Ismaël qui était chassé, mais là, ce n'était pas compté dans les plans de Dieu. Et Dieu regardait à la postérité promise à Abraham, et cette postérité, nous l'avons vu que c'était Christ, selon Galates, chapitre 3, verset 16, où il est dit que les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance ou à sa postérité, non pas à plusieurs descendances, comme ça c'est de plusieurs, mais à une seule, et cette postérité, c'est Christ. Et tous ceux qui sont en Christ, ce sont des fils prédestinés d'Abraham, le fils de Dieu, et c'est à eux que ce que nous disons est adressé. Nous voyons que cette promesse, de cette postérité, c'était une postérité promise. Ce n'est pas, on ne devient pas enfant de Dieu par hasard. Écoutez-moi bien, écoutez-moi très attentivement. Si vous n'avez jamais été en Dieu, vous ne serez jamais en Dieu. Tous ceux qui croient, tous ceux qui sont en Dieu, ce sont des personnes qui ont été, avant que le monde ne fût, elles étaient en Dieu. Et quand ils sont apparus sur la terre dans une forme physique et que la parole leur a été apportée, ces personnes n'ont fait que confirmer ce qui était déjà dans leur cœur. Elles ont senti que ce que j'entends, c'est différent. Souvenez-vous de l'histoire du petit aiglon qui s'est retrouvé dans le poulailler, ne sachant pas comment il est arrivé là-bas, parce qu'un fermier avait volé un œuf d'aigle dans la montagne. Et quand les œufs ont éclos et que les poussins sont apparus et que lui aussi est sorti de sa coquille, et il était plus géant que le poussin, et les poussins vont demander, mais comment toi tu es grand comme ça, tu es hein, comme un oiseau mammouth là. Et il était derrière la mère poule. Mais quand la mère aigle s'est rendue compte qu'un œuf manquait, elle a commencé à chercher dans la vallée. Et qu'est-ce qu'elle voit dans cette ferme? Elle voit un aiglon dans un poulailler.
derrière la mère aigle. Et la mère aigle cocotait dans le sol, sortait des vers de terre qu'elle donnait aux poussins, et les poussins mangeaient avec appétit, mais lui, quand il essayait, il vomissait, parce que ce n'était pas sa nourriture. Et puis, brusquement, il entend un cri venant d'en haut. Et ce cri, c'est le cri de la mère aigle. Et tous les poussins ont fui. Ils sont allés servir sous les ailes de la mère poule. Mais lui, il a senti dans son cœur que ce que je viens d'entendre, ça me dit quelque chose. Cette voix m'est familière. Et lui est familière comment? Ce n'est pas parce qu'il est dans le poulailler, mais c'est avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Et l'enfant ou le petit aiglon va regarder au ciel et il va voir cet oiseau mammouth qui va lui dire, mon fils, tu n'es pas un poulet, tu n'es pas un poussin, tu es un petit aiglon. Ta place n'est pas dans le poulailler, ta place est dans le lieu très haut où toutes les choses sont possibles à celui qui croit. Là, sur la terre, il y a beaucoup d'incrédulité. Les gens doutent de la parole. Quand Dieu dit ceci, ils doutent de cela. Ils enseignent même le contraire. Mais toi, tu n'es pas un oiseau de basse-cour, mais tu es un oiseau de hauteur qui doit voler très haut, très haut, très haut. Alors nous voyons que cette postérité, c'est une postérité promise. Et les promises, comme Isaac était l'enfant promis, et quand l'enfant de la promesse, et quand Isaac est apparu, Abraham n'a fait que confirmer que Dieu lui avait parlé de cet enfant. Cet enfant était pour lui un grand témoignage. Il pouvait se promener avec lui, quand les gens lui posaient la question, il dit que voilà, cet enfant, je l'ai eu quand j'avais 100 ans. Et ma femme en avait 90. Et c'était un témoignage vivant pour Abraham. Vous comprenez? C'est comme j'étais dans une assemblée en France, et un couple, et dans cette assemblée, on connaît cet enfant, on me présente un bébé, et on me dit ça, on l'appelle bébé miracle. Miracle pourquoi? Parce que la maman de l'enfant ne mettait pas au monde. Elle ne mettait pas au monde du tout. Et on priait tout le temps pour elle. C'est après 15 ans, je crois, c'est bonne mémoire, 15 ans, qu'elle a mis au monde, qu'elle a conçu, qu'elle a mis au monde. Et alors on l'a donné comme nom, le bébé miracle. Alors nous voyons que notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. C'est un Dieu qui fait des choses qui dépassent. Donc nous comprenons par là que les fils d'Abraham, qui sont prédestinés, bien avant la fondation du monde, cette postérité, elle sera haïe sur la terre. Elle sera haïe du monde. Elle sera haïe de Satan et de tous les démons. Comprenez-moi bien, Satan n'aime pas quelqu'un qui possède la parole de Dieu. Si vous êtes un dépôt de la parole, vous devenez automatiquement l'ennemi de notre ennemi qui est Satan. Faites très attention. Et Satan ne supporte pas les gens qui portent la parole de Dieu. Et nous voyons cette postérité, comme elle est sa postérité, elle est une postérité parole, et elle sera haïe partout sur toute la terre, et cette postérité, elle posera beaucoup de problèmes. Et je vais vous le prouver par les Saintes Écritures. Si nous prenons, par exemple, c'est une image de cela, si nous prenons Galates chapitre 4 dans le Nouveau Testament, Galates chapitre 4, et là, il nous est parlé de ces deux fils qu'Abraham a eus. Au commencement, je ne parle pas encore des enfants de Keturah. Dans Galates chapitre 4, commençant par le verset 28, voici ce que l'apôtre Paul adresse aux vrais enfants de Dieu. Il nous dit, pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Vous êtes les enfants qui sont connus du Père. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'Esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Vous entendez ça? Celui qui est né selon la chair, qui n'est pas dans la promesse de Dieu, il persécute celui qui est né dans l'Esprit, celui qui est né selon la préscience, selon la prédestination de Dieu. Et tout véritable enfant de Dieu, il sera persécuté. Tous ceux qui sont nés de son esprit, tous ceux qui sont scellés du Saint-Esprit,
tous ceux qui marchent avec la parole de Dieu, tous ceux qui marchent dans ses voies, ils seront tous persécutés à cause qu'ils sont possesseurs, qu'ils sont porteurs de la parole de vérité. Et il est écrit, mais que dit l'Écriture ? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon la chair. Si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, prédestiné, retenez bien cela. Sachez que les tribulations, les persécutions, c'est votre nourriture quotidienne. Si vous êtes réellement né de sa semence, le monde ne vous aimera pas. Et vous voyez que ici, celui qui était né selon la chair d'Ismaël avec sa mère, n'aimait pas Isaac, qui était né selon l'Esprit, qui était engendré selon la volonté du Père, et il persécutait Isaac. Et nous voyons que Dieu a dû intervenir, dire à Abraham, selon la demande de Sarah, il a dit, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et nous voyons que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, 2 Timothée chapitre 3, au verset 12, il est écrit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, c'est-à-dire selon Dieu, en Jésus-Christ, seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre dans la sainteté, dans la pureté, tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu, ne seront pas les bienvenus dans l'Église. Parce que ceux qui sont charnels dans l'Église vont commencer à les persécuter. Et ceux qui vivent selon la parole, selon l'Esprit, ils sont devenus automatiquement ennemis de Satan et de son armée de démons. Alors c'est pourquoi ces enfants de la promesse, cette postérité promise à Abraham, elle sera persécutée dans le monde. Regardez par exemple Israël qui est la postérité charnelle d'Abraham. Ce n'est pas la postérité foi. Et Israël est victime d'une haine terrible dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Dans tous les pays, il y a des slogans anti-juifs. Et souvenez-vous d'Hitler et de toute son armée, d'Himmler et consorts de Göring. Des gens qui avaient une haine farouche. Et j'écoutais une fois à la télévision un homme qui déclare, c'était un juif aussi, il dit c'est la plus vieille de haine. C'est la plus vieille. Donc cette haine-là, c'est haïr Israël, haïr ses enfants, haïr son peuple. Et nous voyons que quand on devait sévrer Isaac, le fils de l'esclave a voulu saboter la fête. Et Sarah a demandé à Abraham, chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec mon fils. Et nous voyons que c'est ce qui a été fait après. Agar, avec son fils, ont été chassés et Isaac est resté seul. Même les enfants de Ketura, Abraham leur donnait des biens, d'écouter, allez très loin, je ne veux plus entendre parler de vous, très loin, afin que mon fils Isaac puisse seul hériter. Alors nous voyons que quand vous prenez position pour la parole de Dieu, automatiquement, on va vous haïr. Et vous serez une personne à persécuter. Et nous voyons que cette postérité, elle est formée des élus que Dieu a connus d'avance avant la fondation du monde. Elle a la parole véritable, elle a la véritable onction, elle est baptisée du Saint-Esprit, elle parle selon les Saintes Écritures, elle prêche l'évangile véritable, l'évangile du salut, et elle chasse les démons. Et à cause de cela, Satan et tous les démons sur la terre ont une haine mortelle contre tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui sont sa postérité. Regardez au cours de l'histoire comment cette église qui se dit être chrétienne a persécuté
la véritable Église, le véritable enfant de Dieu. À tel point que les martyrologues déclarent que rien qu'au Moyen-Âge, il y a eu 64 millions de victimes. Un génocide vraiment déclaré. 64 millions de juifs et ou de chrétiens, plutôt des chrétiens pas juifs, des chrétiens qui ont été massacrés et qui ont été tués, brûlés sur des bûchers. D'autres ont été pendus, d'autres ont été décapités, comme Paul a été décapité à Rome, Pierre a été crucifié, et il y en a, Polycarpe a été brûlé, enfin on a essayé de brûler, ça ne brûlait pas, et puis on l'a tué avec une lance. Ils ont été tous morts de morts violentes, à quelques exceptions près, et nous voyons qu'il est dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement, selon Dieu, en Jésus-Christ, seront de toute façon persécutés. Et tous ceux qui sont en Christ portent l'opprobre. Ils sont malmenés, ils sont persécutés, mais ils ne regardent pas ça. Comme il est dit dans Hébreux au chapitre 11, ça s'est passé dans les âges passés, mais cela aussi est valable pour le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 11, je vais mettre cette partie de ce chapitre. Il est écrit ceci. Verset 37. Jusqu'au verset 40, il est écrit. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, c'est-à-dire que leur valeur est beaucoup supérieure à celle du monde. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les centres de la terre. Écoutez, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils allèrent çà et là persécutés, fouettés, ou flagellés, eux dont le monde n'était même pas digne. Et pourtant, c'était des vrais enfants de Dieu. Ils sont persécutés à cause de leur foi, à cause qu'ils sont porteurs de la semence, à cause qu'ils ont juré fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous servez Jésus, vous devenez automatiquement l'ennemi de Satan. Regardez comment le Seigneur a parlé de cette postérité. Allez avec moi dans Jean chapitre 17. Et commençons par le verset 14. Jean chapitre 17, commençons par le verset 14. Le Seigneur dit ceci, parce que tout le chapitre 17, qui est appelé dans beaucoup de Bibles la prière sacerdotale du Seigneur, c'est-à-dire qu'il intercède pour nous en tant que souverain sacrificateur. Alors il dit, il a fait ça avant de monter à Gethsémané et d'aller à Golgotha. Alors dans cette prière, il dit que il a gardé tout ce que le Père lui a donné, aucun ne s'est perdu. Mais regardez ce qu'il dit à partir du verset 14. Je leur ai donné ta parole. Pas autre chose. Il ne nous a pas donné l'argent, il n'a pas donné de l'or. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Je m'arrête d'abord là. Je leur ai donné ta parole, la parole véritable. Et le monde les a haïs sans cause. Le Seigneur a dit, si on a haï le bois vert, c'est-à-dire que c'est au travers de lui que la vie est venue. Il était le bois vivant. Et qu'est-ce qu'on va faire au bois sec, nous, qui étions déjà morts dans nos péchés? Et donc, on va aussi nous haïr. Donc, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Depuis la fondation du monde, ils sont de mon côté, ils sont à moi. Et comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, le monde les a haïs. Le monde n'aime pas cette postérité, la postérité royale d'Abraham, parce que le Seigneur leur a confié la parole de Dieu. Et à cause de cela, comme ils sont détenteurs de la parole, comme ils sont détenteurs de la semence,
Et c'est là où vient la haine féroce du monde. Et le démon n'aime pas de voir quelqu'un qui est détenteur de la parole. Ceux qui voient quelqu'un qui est détenteur de la parole, ils vont directement attaquer. C'est pourquoi la Bible dit dans le psaume 34, il est dit, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et ceux qui sont porteurs de la semence, ils sont constamment dans la bataille. Ils sont constamment attaqués, mais ne vous en faites pas. Nous sommes déjà plus que vainqueurs au travers de celui qui nous a aimés. Regardez, pour nous qui sommes de Dieu, prenez avec moi un Pierre au chapitre 4. Voilà ce qui nous est dit. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de devenir chrétien parce que vous pensez que en devenant chrétien, je serai tout le temps malmené par des démons. Mais sachez que Satan et les démons ne connaissent pas la pitié. Ne faites pas la paix avec les démons. En allant chercher des fétiches, quoi que ce soit, pensant que vous serez en paix avec les démons. Et les démons, leur but, c'est de vous tuer. Et tu vas faire des fétiches, ces fétiches vont te tuer. Et sachez que nous sommes en guerre, 24 heures sur 24. Nous sommes en guerre. Nous sommes attaqués matin, midi, soir. Il n'y a pas de répit. Par les esprits de toutes sortes. Pourquoi? Parce que nous sommes détenteurs, possesseurs de la vérité, possesseurs de la semence. Regardez Jésus quand il est venu. Jésus était le mal-aimé. Les gens ne l'aimaient pas. Les gens prenaient des pieds pour le lapider. Parce qu'il était possesseur de la parole. Et Satan est entré dans des gens le jour de la crucifixion pour réclamer la peine de mort pour Jésus. Et les gens, sans savoir ce qu'ils disaient, les mêmes personnes qui une semaine plus tôt criaient dans les rues de Jérusalem, « Hosanna au fils de David, Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. » Et une semaine après, ils disaient « Crucifie-le, crucifie-le. » C'était une possession des démons. Vous comprenez? Jésus n'était pas... Mais regardez maintenant, les dirigeants religieux aujourd'hui, les conducteurs, ce sont des superstars, ce sont des vedettes. Quand, c'est pas moi, le pape de Rome voyage, il a son avion, il n'a pas besoin d'aller prendre une place dans un autre, il a son avion. Et dans tous les pays qu'il descend, il a droit aux honneurs militaires. Jésus n'a jamais été honoré comme ça. Jésus, aucun policier, aucun soldat romain ne lui a rendu même les honneurs militaires. Aucun. Au contraire, ils l'ont fouetté de la crucifixion et ils l'ont mis sur le bois, ils l'ont mis de clous dans les mains, comprenez, les clous dans les pieds. Mais aujourd'hui, tous ces grands dirigeants de toutes les religions, quand ils sont quelque part, ils ont droit aux honneurs militaires, on met le tapis rouge pour eux. Jésus n'avait pas de tapis rouge. Jésus est parti chez le pharisien Simon, où il y avait beaucoup de gens, peut-être du Sanhédrin qui étaient là, et on a refusé même de laver les pieds. Et il était là, et oublié dans un coin, avec la transpiration, on ne l'a même pas parfumé la tête, on ne lui a pas donné le baiser de bienvenue, il n'était pas le bienvenu. Et tout enfant de Dieu, qui est possesseur de la parole de Dieu, ne sera jamais le bienvenu dans ce monde. Vous savez, personnellement, quand j'ai cru, je ne savais pas que ce serait comme ça. Je ne savais pas qu'en croyant, j'entre dans la bataille. J'étais dans le monde, et je ne voyais pas les démons venir, c'est pas me persécuter, je ne voyais rien. Mais dès que j'ai reçu la parole de Dieu, la bataille a commencé. J'ai vu des attaques de toutes sortes, j'ai vu des démons venir pour me tuer. J'ai eu à affronter, si je peux dire, un léopard sur la route de Bouta, entre ici et Bouta. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Comprenez. Et nous voyons que tous ceux qui donnent leur vie à Christ, ne pensez pas que vous venez à un pique-nique, mais vous êtes enrôlés dans une armée, et c'est l'armée de Christ. Alors écoutez, dans 1 Pierre chapitre 4, je vous dis cela, ce n'est pas pour vous faire peur, pour montrer que vous êtes dans le combat. 1 Pierre chapitre 4, commencez par le verset 12. Il dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être injuré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Vous comprenez? Les épreuves, les souffrances sont pour nous notre nourriture quotidienne. Nous ne sommes pas étonnés que parfois les choses ne marchent pas bien, dans notre travail ça ne marche pas bien, et nous voyons des attaques à tout moment, nous voyons des attaques dans notre vie spirituelle, notre vie charnelle, et nous, Pierre nous dit, ne vous en faites pas, c'est tout à fait naturel. Et que si quelqu'un souffre à cause du nom de Jésus, qu'il n'en ait point honte, mais glorifie et le fidèle Créateur, hein, et qu'il fasse toujours ce qui est bien. Alors, nous arrivons à ce point où je vais marteler, peut-être même jusque dans l'émission qui va suivre, où je vais vous montrer ceci. Il y a l'œuvre de Dieu sur la terre. Il n'y a pas des œuvres de Dieu. Retenez bien cela. Il y a une seule œuvre. Et je vais vous le prouver. Prenez d'abord avec moi Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jésus parlait tout le temps du qu'il était le pain de vie, qu'il était le vrai cep, il est tout le vrai. Et dans Jean chapitre 6, il parlait avec les Juifs. Et ces Juifs posaient des questions. Et d'autres l'ont suivi parce qu'ils avaient mangé des pains. Parce que Jésus avait multiplié des pains, ils avaient mangé, étaient rassasiés. Alors, au verset 27 jusqu'au verset 29. Jésus leur dit ceci. D'abord, vous m'avez su parce que vous avez mangé du pain, mais écoutez ce qu'il leur dit. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car celui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit, écoutez, la confusion dans le monde religieux. Verset 28. Que devons-nous faire pour accomplir les plurielles œuvres de Dieu? Il y avait peut-être là des Sadducéens, il y a peut-être là des pharisiens, des hérodiens. Et tout ça, on appelle œuvre de Dieu. Comme aujourd'hui, nous avons plusieurs dénominations. Du temps de Frère Branham, on estimait à peu près à plus de 900 dénominations chrétiennes, qui se disent chrétiennes. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. C'est parce qu'on a déjà atteint 3000, je ne sais pas combien. Dans le monde entier, toutes ces églises se déclarent être de Christ. Elles vous disent, écoutez, nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Et les Juifs demandent, dire à Jésus, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et écoutez la réponse du Seigneur. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, et ils ont parlé au pluriel, l'œuvre de Dieu, ce que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas d'aller faire votre ligablo, votre petite boutique à côté, de mettre un joli nom, l'église des saints de, c'est pas moi, de Kinshasa, de mettre votre nom là, ici ce sont les rachetés, ce sont les élus, ce sont l'assemblée des enfants de Dieu. Non. Dieu n'a qu'une seule œuvre. L'œuvre de Dieu,
ce que vous croyez. Écoutez, vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et à ce temps-là, celui qui était envoyé, c'était Jésus. Si vous allez faire votre ligablo à côté, votre petite boutique, et que vous ignorez ce que Dieu est en train de faire, alors votre œuvre, c'est une œuvre du néant. Nous sommes censés nous retrouver dans ce que Dieu fait. Comme l'apôtre Paul, qui est venu beaucoup plus tard, a dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, et écoutez cette bonne précision que l'apôtre dit ceci, et il dit au verset 9 du chapitre 3 jusqu'au verset 11, il dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, pas ouvriers dans notre propre chantier. » Tu vas fonder ton église là-bas, tu donnes un joli nom, oh, l'œuvre de Dieu est ici. Venez ici, comme disent les Quinois, venez ici, il y a des mouvements ici. Et nous sommes ouvriers avec Dieu. Pas une œuvre séparée de Dieu. Et vous, les croyants, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne, je répète à cette heure, personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir le Christ. Nous n'avons pas plusieurs œuvres. Même dans ce message, dans la ville de Kinshasa, ici en RDC, dans cette ville, la capitale de la RDC, il y a plus de peut-être maintenant 2000 assemblées du message. Vous pensez que Dieu est dans toutes ces œuvres-là? Et chacune de ces œuvres prétend que nous sommes l'original. Mais je vous dis ceci, nous sommes en train de monter au Mont Carmel. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Carmel entre Élie et le prophète de Baal, qui prétendait aussi être dans le véritable, dans le vrai? Là, la démonstration du véritable Dieu a été faite et Dieu a montré avec qui il marchait. Il a montré que c'était Élie. Vous, prédicateurs, vous, prophètes, soi-disant prophètes des nations de tous les qui êtes en train de tromper les gens, nous sommes en train de monter au Mont Carmel et Dieu prouvera qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Vous qui mentez les gens avec des fausses prophéties, Dieu m'a dit. Vous qui mentez, que Dieu m'a dit de faire l'église, de faire ceci, de faire cela, et vous ignorez ce que Dieu fait dans notre temps. Vous n'êtes pas au courant de ce que Dieu a suscité dans notre temps, selon sa parole promise. Un prophète puissant, avec une parole puissante, une parole promise, destinée aux enfants de la promesse. Et que ces enfants la promesse, Dieu a confirmé cette parole en eux en les scellant du Saint-Esprit qui avait été promis. Et nous voyons ici, le Seigneur dit, l'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu a envoyé. Les Juifs parlaient des œuvres de Dieu. Dans l'œcuménisme, ils ont plusieurs œuvres. Il y a des dénominations. Telle, je ne vais pas citer de nom. Telle. D'autres même se parlent de numéros. Communauté telle, numéro tel. On se rassemble là, dans une confusion impossible. Chacun croit ce qu'il veut. Et ça, ce ne sont pas les œuvres de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est de recevoir celui que Dieu vous a envoyé. Et comme je l'ai dit, je vais insister sur un point. Dans tous les âges, Dieu accomplit son œuvre avec la postérité promise à Abraham. Dieu n'accomplit pas. Souvenez-vous, nous avons lu dans le psaume 22, ne l'oubliez pas, tout ce passage, comme Ésaïe 53, verset 10, le psaume 22, à la fin de ce psaume, verset 31, verset 32, il est écrit,
la postérité le servira. C'est elle seule qui sert le Seigneur. Cette postérité, elle est la force terrestre de Dieu sur la terre. Dieu, quand il veut travailler, c'est avec cette postérité qu'il travaille. Il va envoyer quelqu'un pour apporter un message, c'est avec cette postérité qu'il travaille. Dieu n'utilise pas ceux qui sont en dehors de cette postérité. Impossible. Dieu n'utilise pas les théologiens. Dieu n'utilise pas, je ne sais pas moi, les séminaristes. Dieu n'utilise pas ceux qui sont des écoles, de, je ne sais pas moi, des pasteurs. Je vous ai montré la fois passée comment on devient prédicateur. Il faut que Dieu vous appelle, il faut que Dieu vous équipe, il faut que Dieu vous envoie. En dehors de ça, il n'y a pas de ministère. Tous ceux qui ont fait des écoles pour former des prédicateurs, pour former, je ne sais pas moi, des pasteurs, c'est en vain qu'ils ont fait ces écoles-là. Dieu n'est pas là. Toi qui es là en train d'étudier, une fois j'ai assisté, j'étais parti à une collation, c'était la collation de ma fille, et à leur université, on a commencé d'abord par la faculté de théologie. Et là, on a des diplômes avec des distinctions aux jeunes filles, aux jeunes gens, qui étaient très contents, qui brandissaient le diplôme, on prenait des photos. Et là où j'étais, je me disais, mais mes frères, mes sœurs, vous qui avez ce diplôme, qui est déclaré théologien, ce diplôme, allez travailler dans l'administration avec ça. Allez vous faire engager dans les ministères. Soyez administratif, mais n'essayez pas de servir Dieu avec ce diplôme-là. Vous serez en dehors de la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir prêcher, apporter la parole. S'il y a la confusion dans le monde religieux aujourd'hui, c'est à cause de tous ces gens qui ont eu des diplômes dans les universités et qui ne connaissent pas Dieu et qui sont venus disant que nous avons des diplômes. Je suis sorti d'Harvard. Je suis sorti de telle université, je suis sorti de l'université de Berkeley aux États-Unis, je suis théologien, diplômé, c'est pour moi de l'université de Southampton. Tout ça, ça ne signifie absolument rien. Et je voulais vous montrer, je vais simplement introduire ce que l'homme de Dieu, William Branham, a dit à ce sujet, en montrant que Dieu n'utilise que les membres de son corps qui sont sa postérité. Les membres du corps, là, c'est la postérité d'Abraham. Et il montre ceci. Je lis dans une brochure, il n'y a pas de paragraphe, mais pour ceux qui connaissent le message, c'est dans cette prédication, là, pour le parler, la semence originale. Et je prends la version de Suisse, qui n'a pas de paragraphe numéroté. La traduction de notre frère Alexis Barlier. Et à la page 92 ou 92, pour les Français, juste au-dessus là, je vais prendre des passages par-ci par-là, et Frère Branham pose la question, qu'est-ce, en parlant de membres du corps, il dit, c'est sa force terrestre. La force terrestre de Dieu, quand il dit force terrestre, vous savez, dans toutes les armées, moderne aujourd'hui, je peux dire que nous avons trois corps d'armée. Il y a la force terrestre, la force navale, il y a la force aérienne. Vous comprenez? Le frère Branham utilise ce terme force terrestre pour montrer que la force avec laquelle Dieu agit sur la terre. Parce que dans le monde terrestre, il y a la terre. On ne parle pas de ce qui se passe en l'air. Nous agissons, les membres de son corps agissent sur la terre. Alors il dit ceci, je prends la lecture. La force terrestre de Dieu est dans sa parole faite chair dans son corps ici sur terre. Ce n'est pas ailleurs, quand Dieu doit intervenir, qu'il doit mettre en déroute les forces de l'ennemi, il utilise sa force terrestre. Et cette force terrestre est dans sa parole faite chair dans son corps ici sur terre, la faisant accomplir. Il dit ceci, écoutez, laissons de côté une partie de cela. Les messagers de Dieu,
ont toujours été rejetés, ce que j'avais dit tout à l'heure. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ, c'est vrai qu'ils seront rejetés, persécutés. Il dit, croyez-vous cela? Moïse fut rejeté, n'est-ce pas vrai? Jésus fut rejeté. Luc 10, verset 16, dit qu'il fut rejeté. Dans 1 Samuel, chapitre 8, verset 7, le message de Dieu fut rejeté et Dieu avait un messager, un prophète appelé Samuel. Le croyez-vous? Ils le rejetèrent, lui et son message. Ils prirent le monde. Écoutez maintenant, avant qu'on puisse terminer pour aujourd'hui, ce que l'homme de Dieu déclare. Et n'oubliez pas cela. Serrez cela dans votre cœur. Il dit, voici la loi de Dieu. Il dit, je ne sais pas s'il faut le dire, s'il faut dire cela ou non. Voici la loi de Dieu. La loi de Dieu est de recevoir un serviteur confirmé. Je m'arrête un peu là. La loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé par qui? Confirmé par Dieu. Il faut que Dieu lui-même rende témoignage que celui-ci, c'est mon serviteur que j'ai envoyé. La loi de Dieu est de recevoir un serviteur confirmé par Dieu. Vous recevez des serviteurs qui n'ont aucune assise dans la parole de Dieu, que Dieu ne connaît même pas. Ce sont eux pour lesquels Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 23, qu'en ce jour-là, d'abord, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Et en ce jour-là, plusieurs viendront à moi et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas prêché en ton nom? Ils l'ont fait. N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Ils l'ont fait. Mais je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous connais même pas et je ne vous ai jamais connu. Et la loi de Dieu, jusqu'aujourd'hui, c'est de recevoir quelqu'un que Dieu a confirmé, quelqu'un sur lequel Dieu a mis son sceau. Mais malheureusement, les vrais serviteurs ont dû être rejetés. Cette semence, cette possibilité d'Abraham, qui est possesseur, qui possède la parole de la vérité, qui prêche la voie du salut, comme Paul et Silas et à Philippe, pendant qu'ils passaient, une femme possédée d'un esprit de Python les suivait, disait, ces hommes-ci sont des vrais serviteurs de Dieu, ils vous annoncent la voie de Dieu. Et cette femme, bien qu'elle était possédée par un démon, elle disait la vérité. Mais qu'est-ce qu'on a fait après? On a arrêté Paul. On a arrêté Silas. On les a jetés en prison. Parce que Paul avait chassé le démon qui était dans cette femme et qui voulait élever les hommes plutôt que Dieu. Et la loi de Dieu est de recevoir un serviteur confirmé. Et je peux vous dire, je suis fier de vous le dire. Je suis fier de vous le dire. Et que les vrais enfants de Dieu, à cette heure, dans cet âge, ont eu des oreilles spirituelles pour entendre, des yeux spirituels pour voir, ils ont reçu, dans cet âge, un prophète confirmé. Un prophète sur lequel Dieu a mis son sceau. Un homme qui a prêché une parole, écoutez, sans compromis, d'un bout à l'autre. Un homme qui nous a montré le chemin qui mène à Christ. Il ne sait pas prêcher lui-même. Je ne parle pas des gens qui ont fait de lui leur idole. Ils vont tout droit à la perdition, vous comprenez? Mais je vous parle que cet homme, Dieu l'a confirmé par des puissants miracles, par des prodiges. Il y a eu dans sa vie des miracles que même Paul n'a pas connus, que Pierre n'a pas connu, même des miracles de création, vous comprenez? Et ce n'était pas pour que cet homme puisse être élevé, non, c'était Dieu qui voulait montrer dans cet âge que c'est moi qui ai envoyé cet homme. Dieu confirmait son ministère par la parole de vérité et par des puissants miracles. C'est Dieu qui confirme, comme il est écrit dans, je crois que c'est dans Marc au chapitre 16, à la fin du livre de Marc, regardez ce qu'il dit. Et à propos
de disciples qui sont partis pour prêcher. Et quand le Seigneur les a envoyés, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Écoutez, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, écoutez, et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirmait la parole. Si tu es un serviteur de Dieu, il faut que Dieu confirme ce que tu prêches. S'il n'y a pas de confirmation, arrête-toi et va t'asseoir, ce n'est pas ton travail. Le Seigneur confirmait la parole que les disciples ou les apôtres prêchaient par des miracles et par des prodiges. Et la loi de Dieu, c'est de recevoir un serviteur confirmé. Et nous allons développer ça dans l'émission qui va suivre. Parce que si Dieu a réellement envoyé un homme, la manière d'envoyer de Dieu, hein, ce n'est pas de rester dans un bureau, d'écouter, tu peux partir aller prêcher, moi je reste ici. Non, Dieu, quand il envoie un homme, il marche avec lui. Il marche avec lui comme il a dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort, voilà, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et dans tout ce que tu feras, seulement je te demande d'obéir à la parole dans tout le moindre détail. Et quand Dieu envoie quelqu'un, Jésus disait, les paroles que je dis, ce n'est pas moi qui les dis, c'est mon Père qui se trouve en moi. Et c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père est avec moi. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui est à moi qui fait les œuvres. Alors, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu le confirme. Et la postérité royale d'Abraham, elle ne travaille pas seule. Elle travaille avec le Seigneur. Et le Seigneur confirme que ça, ce sont mes enfants. Ce sont mes serviteurs. Ainsi que Dieu bénisse et qu'il vous rende vraiment comme de véritables croyants et que vous puissiez avoir la foi d'Abraham pour croire la véritable parole. Et en ce moment-là, Dieu finira par confirmer aussi que vous êtes son fils et vous serez parmi ceux-là qui vont hériter. Ainsi que Dieu bénisse, que vous accordez seulement les choses les meilleures et méditez ces choses en attendant la prochaine émission. Que Dieu bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.